Ah ben, toute bonne chose a une fin. L'automne, le vrai, s'en vient. Et on l'a senti déjà, on le voit avec le vent. Là, il est bien présent ce matin. Le changement de masse d'air est en cours. Effectivement. Encore de l'humidité dans l'air. Donc, avec ce changement de direction des vents, les vents, oui, sont élevés là, ce matin déjà. Bien, il y aura des risques d'orage, entre autres, pour le Grand Montréal, dans les Laurentides aussi, le centre de la province. Les averses vont tomber vers la fin de l'après-midi pour Montréal. Donc, encore, oui, un beau vendredi à l'horizon. Bon, peut-être vraiment plus nuageux. Là, si on compare aux derniers jours, mais la pluie viendra seulement en fin de journée. Pour les Laurentides, c'est en cours d'après-midi que ça va tomber. Évidemment que dans l'ouest, Abitibi-Témiscamingue, vous avez déjà droit à des averses depuis hier. Le front froid est en train de vous quitter. Donc aujourd'hui, simplement des risques de pluie. Il n'y a pas de grandes accumulations au menu. Pour l'Outaouais, oui, Mont-Laurier aussi, les Laurentides, potentiel orageux, comme pour le Grand Montréal. Tout ce qui est plus au centre de la province, au sud aussi, Sherbrooke, le centre du Québec. Québec, finalement, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la nuit prochaine que les précipitations vont commencer. Donc, vous avez toujours une belle journée aujourd'hui. Dans l'est de la province, deux journées supplémentaires de beau temps. Ailleurs, bien, la pluie va perdurer tout au long de la fin de semaine. Et oui, au cours de la semaine prochaine, 50 à 80 mm d'eau au total, samedi, dimanche, pour l'ensemble du Québec. Pour la ville de Québec, c'est exactement le même scénario. Mais les régions les plus touchées seront celles vraiment plus montagneuses au nord du fleuve Saint-Laurent, les Laurentides, entre autres, une partie du lac Saint-Jean, la Tuque. Vous attendez 100 mm. Et plus samedi, dimanche, avec l'arrivée des restants de cette tempête tropicale Philippe. Donc oui, de bonnes averses et une chute des températures à venir. Bon, on s'y attend. Au moins, on en a profité comme il faut. Merci beaucoup. En profiter. À tantôt. À tantôt.